Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de la magie verte, le Before Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de décembre, une énergie de force, de motivation, de détermination. Vous ne vous laissez pas abattre par d'éventuelles difficultés, de la communication aussi, il y a de la maîtrise. Alors qu'est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous maîtrisez des événements extérieurs? Est-ce que vous maîtrisez... oui, maîtriser des événements extérieurs, on n'a pas toujours de contrôle sur l'extérieur. Disons, vous maîtrisez vos réactions en fonction des événements extérieurs. Est-ce que c'est de la maîtrise uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur de vous? En tout cas, c'est... oui, il y a quelque chose de déterminé pour, avec ces étoiles-là pour réaliser des rêves, pour briller, pour aller dans le sens de ce qui... de ce qui vous anime, de ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 2 d'épée et le 3 de coupe. Le 3 de bâton et le diable. Le 7 de bâton et l'as de coupe. Le 9 de denier et le pape. Alors, l'homme vert, c'est le fou. L'étoile. Le dieu cornu, c'est l'empereur. Avec le valet d'épée, le 10 de coupe et le 8 de bâton. C'est joli tout ça. C'est joli. Alors, j'ai effectivement des énergies intérieures assez présentes. Combien j'ai d'arcanes majeures? 1, 2, 3, 4, 5. 5, ben je pensais plus, mais bon, 5 c'est déjà pas mal. Les arcanes majeurs insistent plus sur le côté expérience intérieure dans nos profondeurs. Vous avez quand même deux arcanes majeurs dans ce qu'on vous invite à lâcher. Là, on vous... les cartes mettent un peu l'accent sur le fait d'être... d'accepter d'être guidé, de vous en remettre à l'univers, d'avoir la foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi peut-être dans les circonstances, les personnes qui vous entourent, et puis de vous lancer aussi, de vous lancer dans quelque chose. Est-ce que c'est dans un projet avec votre chérie, dans un projet familial? Est-ce que c'est le fait de vous lancer avec une personne amoureusement si vous êtes célibataire? J'ai un as de coupe ici quand même. Est-ce que c'est le fait de vous lancer alors avec le cœur, mais dans un projet? Ça peut être un projet professionnel, ça peut être pour certains, j'ai une histoire de négociation là. De négociation avec une personne pour les affaires, le travail, négocier pour un voyage, négocier pour peut-être acheter ou vendre un lieu de l'immobilier, un lieu de vie, ou des tractations financières, matérielles, qui sont peut-être en lien avec la famille, quelque chose pour la famille. Alors ça peut être la famille, ça peut être pour l'entreprise qui serait un peu comme une famille, mais quelque chose qui ne... c'est pas que pour vous.
c'est pas que pour vous. Ça implique d'autres personnes. Et ça implique pour vous le bonheur d'être avec d'autres personnes aussi. Bon, vous démarrez le mois de décembre avec le 2 d'épée et le 3 de coupe. Alors, ça me venait, le fait d'être avec d'autres personnes, évidemment, c'est le mois de décembre, donc c'est aussi un moment, il y a les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément la fête pour tout le monde n'est pas forcément en bons termes, en famille, voilà. Comment ça se passe dans la vôtre? Ça, je sais pas, ça peut être aussi famille de cœur, hein, des gens qui sont comme une famille et sans que ça soit votre famille génétique, mais la notion d'entourage, amis, famille ou professionnel, la notion d'entourage est là. Donc est-ce que c'est par rapport spécifiquement plus à Noël et tout ce que ça entraîne ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça, je ne saurais pas vous dire, ça ne va pas être pour tous les cancers pareil, d'accord? Je vous rappelle que c'est général. Si vous voulez partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, ben merci d'avance parce que c'est toujours, déjà ça fait toujours plaisir de vous lire et puis c'est toujours instructif d'avoir vos différents retours. Bon, vous démarrez le mois de décembre avec le 2 d'épée et le 3 de coupe. Là, il y a comme des discussions, des négociations au sujet de quelque chose. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour les fêtes? Ensemble, pas ensemble? Est-ce qu'on fait chez toi? Est-ce qu'on fait chez moi? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on va voir quelqu'un ou pas? Pour d'autres, c'est vraiment professionnel, financier, il y a des questions d'argent. Il peut y avoir, pour certains, une discussion ou des échanges où on est en mode... on va arrêter de s'affronter si on s'était affronté. On va mettre de côté les arguments pour chercher absolument à se convaincre, pour chercher à s'opposer, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, etc. Et on va chercher à être dans quelque chose de plus constructif, de trouver la voie du milieu, qu'est-ce qui pourrait nous satisfaire l'un et l'autre. C'est pas pour tous les cancers, hein, mais j'entends pour certains enterrer la hache de guerre. Et se mettre une posture de réconciliation où bon, on va calmer le jeu, on va boire un verre ensemble, et puis on va revenir sur des énergies plus amicales, plus agréables. Possiblement plus superficielle aussi, mais histoire d'avoir des échanges qui sont plus constructifs. Là, il s'agit, on a deux hommes qui sont en train de discuter, on est au bord de moissonner le blé. Donc, il y a quelque chose à récolter ou d'entrer dès le mois de décembre, vous en discutez avec l'environnement parce qu'il y a quelque chose qui peut être abondant pour vous. Mais pas que pour vous. Je vous en parlais tout de suite. J'avais tout de suite cette sensation-là que c'était, il y avait des gens autour de vous. Pas que pour vous. Et là, il s'agit de discuter aussi pour que ça soit le plus abondant possible pour tout le monde. Pour que tout le monde en profite, en fait. Comment on peut faire pour que tout le monde en profite au mieux? Une fois encore, ça peut être tout simplement comment on peut faire pour profiter au mieux des fêtes de fin d'année. Bon. Vous me direz si vous en avez envie dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous aide pendant ce mois de décembre? Le 3 de bâton et le diable. Alors n'ayez pas peur du diable, d'autant que vous l'avez en force, donc tout va bien. Pour certains, des questions justement, des discussions, des questions matérielles, financières, de faire du commerce, peut-être de préparer un voyage. Il est super fort dans la matière, le diable.
Donc, pour certains, le fait de vous déplacer, ça vous porte. Le fait de faire du commerce avec certaines personnes, c'est une bonne chose. De prendre le temps de bien se préparer. Parce qu'il y a quelque chose qui quand même représente une forme de défi, de risque. Alors, risque, le mot est. Vous l'avez en force, donc vous inquiétez pas. Ce n'est pas un risque inconsidéré du tout, au contraire. C'est de bien préparer pour pas prendre de risque inconsidéré. Mais avec le diable, on a ce côté aventureux, qui sait oser. Oser sortir des sentiers battus, oser faire des choses que les autres n'auraient pas fait. Donc là, il y a vraiment aussi du contrôle, de la domination. C'est pas, ça fait écho à cette force. S'il y a eu des dissensions, des disputes ou simplement des désaccords, sans forcément se disputer, mais voilà, on n'avait pas les mêmes points de vue. Vous savez parfaitement vous maîtriser, dominer la situation et pour ceux qui ont des affaires à traiter. Vous avez le sens des affaires. Vous dominez parfaitement la situation. Vous avez tout à fait la possibilité de tirer votre épingle du jeu. En revanche, pas de précipitation. Le 3 de bâton invite vraiment à préparer. On sait qu'on va faire un voyage, qu'on va faire du commerce, etc. Ce personnage, il sait tout ça. Il ne part pas n'importe comment. Le bateau, on prend le temps de bien l'affréter, d'avoir l'équipage qui va bien, de choisir en fonction de la météo le jour où on va partir, de bien charger toute la cargaison, tout ce dont on va avoir besoin dans le voyage, tout ce qu'on va emmener avec nous aussi pour faire des affaires. Bref, vous aurez compris, ce côté prévoyant et bien maîtrisé. Pour justement aller décrocher les étoiles, aller décrocher de l'abondance, pour que ça soit comment dire, nourrissant, voilà, le plus nourrissant et chaleureux et agréable possible, nourrissant dans tous les sens du terme, pour vous et pour l'environnement. Le challenge, 7 de bâton et as de coupe. Alors, avec le 7 de bâton, soit vous avez tendance à être un peu sur la défensive pour ce qui est de vous lâcher côté cœur. Alors, côté cœur, ça peut être amoureux, mais ça peut être simplement de suivre les élans du cœur, de suivre votre intuition, de suivre les messages de l'âme. L'âme, elle parle à travers le cœur. Donc, est-ce que vous avez un peu du mal à vous lâcher, à vous libérer, à repartir aussi sur de la nouveauté? Alors, de la complète nouveauté ou opérer du renouveau dans une situation existante? Et du renouveau si effectivement on s'était un peu accroché ou s'il y avait eu des différends, c'est pas facile de ramener. De ramener cette abondance de cœur. Est-ce qu'on vous propose quelque chose et c'est vous qui êtes un peu sur la défensive? Est-ce que au contraire, ce qui est challengeant, c'est que vous vous battez beaucoup pour opérer cette nouveauté de cœur. Maintenant, c'est pas parce que vous voulez offrir de la paix, de l'amour, de la nouveauté, de l'inspiration, que forcément c'est accueilli et accepté. Et vous avez peut-être besoin de rester motivé par rapport à ça. Bon, ça s'adresse pas aux mêmes personnes, je sens. Là, j'ai quand même le côté. On est dans son petit chez-soi bien au chaud, en challenge, alors que en force, on est à l'extérieur et on va prendre la mer, on va voyager. Donc, ne vous repliez pas non plus dans votre petit chez-vous ou dans une zone de confort. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez un 9 de denier et le pape,
qui vous parle vraiment de spiritualité, d'être guidé, d'être protégé, d'être inspiré. Et le 9 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Et là, j'ai la notion d'abondance, d'abondance en famille. Donc, tout ce qui est de l'ordre de faire des affaires, vous avez déjà mis en place des choses qui marchent déjà bien. Là, j'ai de l'indépendance, j'ai de l'autonomie. Alors, je vous parlais de famille, c'est pas incompatible. Hein. Tout ce que vous avez déjà mis en place et qui fonctionne vraiment bien, financièrement, avec la famille, dans votre lieu de vie, dans l'immobilier, dans le travail, bon, mais tout ce qui fonctionne bien, qui est nourrissant au propre comme au figuré pour vous et pour votre environnement, continuez. Continuez à être également dans cette générosité, dans cette ouverture de cœur, dans cette spiritualité, de vous appuyer sur... là, on a le matériel, la vie terrestre. On est vraiment dans les deniers, donc on est dans de l'ancrage, dans du terrestre. On a la vie terrestre qui s'appuie sur le spirituel. Et là, on challenge, on a ce côté chez soi, là, où on s'enferme un petit peu et on se coupe un petit peu avec... du cœur ou de l'intuition. Est-ce que vous avez un petit peu de mal, vous la sentez, hein, l'intuition, vous êtes quand même, vous êtes guidé, vous êtes protégé, le pape vous dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. Est-ce que votre intuition elle vous souffle mais vous ne l'entendez pas toujours? Je vous dis ça parce que vous avez l'étoile ici dans ce qu'on vous invite à lâcher, et là ça peut m'indiquer que vous avez un peu du mal à entendre cette intuition, à entendre le cosmique, à être pleinement vous-même, à avoir, c'est une carte qui parle de foi profonde. Donc vous avez quand même en énergie secondaire, en énergie qui soutienne, vous avez le pape ici et l'étoile à côté, deux cartes très spirituelles l'une et l'autre, et qui sont en dessous comme des fondations sur des représentations là beaucoup plus terrestres où vous n'êtes pas tout seul, il y a du monde, il y a du monde, et là il s'agit de se lancer dans une nouvelle aventure. Le fou c'est aide-toi et le ciel t'aidera, fais un premier pas vers quelque chose, vers quelqu'un, dans une nouvelle aventure, ose, lance-toi, effectivement tu ne sais pas ce que ça va donner, mais lance-toi et le ciel t'aidera ensuite. Et là, j'ai l'impression que vous vous retenez de vous lancer, vous osez pas trop, vous manquez de foi en l'univers, vous avez du mal à entendre cette, les guidances de votre ange gardien, de la source, appelez ça comme vous voulez, de votre âme. Un peu de mal à être pleinement vous-même, peut-être un peu de mal aussi à prendre soin de vous. Alors j'allais dire à vous reposer, il ne s'agit pas d'être inactif, hein. Vous avez le diable en force, là on se doute bien qu'il se passe plein de choses, hein, pour affréter ce bateau, donc vous n'avez pas des cartes en force qui vous disent mets-toi les doigts de pied en éventail pendant le mois de décembre, tu as vraiment besoin de rien faire dans la matière, c'est pas ça, mais il y a quelque part le fait de prendre soin de vous à travers des choses que vous pouvez vivre avec d'autres personnes et à travers le cœur, à travers le spirituel, à travers l'intuition, à travers la créativité. Le fait de laisser, juste de laisser le cœur s'exprimer, le cœur déborder, cette fluidité. Là, j'ai de l'abondance dans la matière, mais Il y a une possibilité d'abondance de cœur qu'il ne faut pas freiner. Donc, continuez à être dans ce côté famille. Famille, bienveillance, accueil, ouverture, générosité. Euh,
Le pape, il entend les besoins, les doléances de chacun, il accueille sans jugement, vraiment sans aucun jugement, les difficultés de chacun, les besoins de chacun, les souffrances de chacun. Et vous avez peut-être commencé à entendre les vôtres, celles de votre environnement, d'écouter les doléances et les besoins et les blessures, les doutes, les peurs et tout ça, d'écouter ça en vous, chez l'autre aussi, parce que c'est à travers ça que vous pouvez vous parler avec le cœur pour négocier quelque part, pour négocier que ça soit des affaires fructueuses, que ça soit des affaires littéralement, hein, des affaires financièrement ou dans la matière, ou que ça soit les affaires de cœur. Mais c'est tout ce qu'on partage aussi, le terrestre est quand même là. Bon, j'espère que ça fait du sens, que ça fait du sens pour vous. Je vous livre les énergies là, j'ai pas d'exemple particulier dans la matière, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle pour vous dans votre vie. N'hésitez pas si vous avez envie, hein, je vous l'ai dit, de partager dans les commentaires, ça sera merci d'avance si vous le faites, ça sera éclairant. Donc, à lâcher, ne vous retenez pas de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de tourner la page sur un cycle, de boucler un cycle pour en amorcer un autre. Ne vous retenez pas d'être pleinement vous-même, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers. Ne vous retenez pas aussi de... Arrêtez de mettre un masque aussi. Arrêtez de mettre un masque. C'est comme si je percevais le masque de celui qui, le masque de celui ou de celle, hein, de celui ou de celle qui pourvoit aux besoins des autres, qui s'occupe dans la matière de des besoins de l'environnement, que chacun manque de rien, etc. Et c'est ok, vous savez remplir ce rôle-là, je le vois, et on vous dit c'est très bien, continue. Mais c'est comme si on vous disait ne reste pas avec ce masque-là, c'est y compris c'est un masque que tu portes par rapport à toi. Comme si vous étiez tellement dans ce masque orienté terrestre, matière, que ça vous permettait de planquer un peu la nudité derrière l'être nu en fait que vous êtes. Dans votre essence, dans votre intériorité, c'est-à-dire votre âme, c'est-à-dire votre foi, c'est-à-dire le vrai vous qui... l'âme, quand elle n'est pas incarnée, je ne sais pas comment vous le dire autrement, l'essence même, l'énergie première d'amour, en fait, qui vous anime, qui anime tous les êtres humains. C'est comme si, là, on disait, ce n'est pas pour tous les cancers, mais à certains... On n'est pas en train de te dire arrête de faire des affaires, arrête de t'occuper du travail, de l'argent, d'avoir à cœur de nourrir ta famille, de faire des choses pour les gens que t'aimes. On ne te dit pas ça. Mais arrête de montrer aux autres uniquement cette facette-là de toi, ou arrête de te faire croire à toi-même que c'est le premier truc le plus important. Il y a aussi... le cœur, la spiritualité, ton âme et ce que tu es profondément, tu es comme chacun de nous, tu es une parcelle de Dieu, en fait, tu es une parcelle d'amour, tu es une parcelle de lumière divine. Ne te limite pas dans la matière et ne planque pas cette étincelle divine de toi. Laisse-la s'exprimer. Montre ton vrai visage, tu peux être incarné dans la matière. Et voyez, à entreprendre de nouveau, c'est vraiment ça, le dieu cornu. Regardez comme, alors lui, il n'a aucun masque, mais comme on le sent hyper ancré et puis très entouré aussi,
Et avec ces bois qui sont comme des antennes et qui captent ce qui vient du ciel. Donc d'être vraiment un bon relais entre le ciel et la terre. On a encore le ciel, la terre. Le ciel, la terre. Et là, j'ai l'association des deux. Au passage, vous avez quand même dans les arcanes majeures les deux représentations masculines, les deux chefs, le chef plus spirituel, le chef plus terrestre. Vous avez les deux. Donc on vous invite à incarner pleinement ce pouvoir dans un équilibre, voyez la maîtrise des forces, dans un équilibre entre le cosmique et le tellurique, entre le spirituel et puis le côté plus matériel. Alors, à entreprendre de nouveau avec le dieu cornu, donc l'empereur et le valet d'épée. On vous invite à entreprendre des choses. Vous êtes à rester dans cette force qui vous caractérise dans ce tirage. Il y en a beaucoup de la force, hein, vous avez des choses à apprendre. Des choses à apprendre, des choses à transmettre aussi. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Alors, d'apprendre de nouvelles choses, de peut-être vous former, ou ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, demander à des personnes. Il est entouré, ce dieu cornu-là. Alors oui, c'est lui le chef, oui, il a de l'expérience, de la force, de la puissance, il peut aller de l'avant, mais il a également une équipe autour de lui. Et quand il ne sait pas, il peut se référer au savoir de son équipe. Donc vous avez des choses à apprendre des gens qui vous entourent. Vous avez peut-être des choses à transmettre également. Le pape, c'est également la transmission. Donc vous avez peut-être un savoir à transmettre. Est-ce que c'est transmettre à vos enfants? Est-ce que c'est transmettre à vos salariés, si vous êtes chef d'entreprise, transmettre à des amis, à des personnes autour de vous. Mais il y a une notion d'apprentissage et de transmission de savoir. J'ai également le fait de dépasser une forme d'inquiétude. Ouais, d'inquiétude, oui, si. Disons une espèce de prudence. Le valet d'épée, il peut avoir ce côté un peu en retrait, où il n'en perd pas une miette. Pour moi, c'est le petit espion du web. Ça va être celui qui cherche de l'information, qui va aller surfer sur les réseaux sociaux pour voir ce que fait un tel ou un tel, demander à un tel, t'as des nouvelles de lui, d'elle, voilà, d'avoir plein d'informations, et puis en même temps de faire ça un petit peu en catimini, quoi. Alors peut-être qu'on vous demande, hein, de vous informer sur une personne ou sur des gens. Quand on veut faire des affaires, le meilleur moyen de faire des affaires, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas, c'est aussi de se renseigner. Quels sont les besoins de l'autre? Parce que si je veux faire des affaires qui sont justement nourrissantes, satisfaisantes pour tout le monde, j'ai besoin de connaître les besoins de l'autre, de connaître sa situation, de savoir, parce que l'autre me dira pas forcément ses besoins. Donc il y a peut-être aussi pour certains des choses à aller découvrir, et notamment d'utiliser Internet, le numérique, les réseaux sociaux, des échanges par mail, soit pour communiquer ensemble, pour former une équipe, pour ressouder une équipe, pour déléguer des tâches. Et aussi pour apprendre de la part d'autres personnes qui vous sont plus étrangères, mais avec lesquelles vous êtes en relation, et vous avez, je vais continuer d'utiliser le terme affaire, hein, je ne sais pas si c'est uniquement financier, mais vous avez, voilà, vous avez il y a des tractations qui sont en cours avec ces personnes.
Quoi d'autre? Ça peut être de vous appuyer aussi à entreprendre de nouveau, d'aller chercher l'expérience d'un empereur autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait... Dans quoi vous aimeriez vous lancer? Ça serait quoi cette nouvelle aventure? Votre cœur, votre âme vous inspire c'est quoi le voyage que vous préparez? Il y a peut-être quelqu'un qui a déjà fait ce voyage, qui a déjà vécu cette aventure, qui a déjà fait ce type d'affaires avant vous et qui peut vous aider, qui a des choses à vous apprendre. Il y a quand même la notion que être chef, c'est bien, avoir du pouvoir, c'est bien, il y a de l'autorité, il y a du pouvoir, donc je pense que vous prenez ou vous reprenez. J'ai pas l'impression que vous ayez perdu. Du pouvoir, mais il y a peut-être quelque chose qui s'assoit différemment. Bon, j'ai la notion que être le chef, c'est une chose, mais le chef n'est rien sans son environnement, sans son équipe. Donc c'est aussi de peut-être pas chercher à prendre toutes les responsabilités tout seul. Il y a peut-être la notion de partager, de faire confiance. Là où vous aviez peut-être un peu ce côté, je me mets un peu sur la défensive, là je me protège un peu, je m'enferme un petit peu dans mon environnement, alors qu'il s'agit de s'ouvrir. Alors, en résultat, mais écoutez, en résultat, ça va bien. 10 de coupe et 8 de bâton. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Le 10 de coupe, c'est le bonheur avec la famille. Alors, ça peut être la famille. Ça peut être la famille d'âme. Donc, des gens qui sont dans votre environnement. Des amis ou des gens que vous rencontrez pendant le mois de décembre, et il y a vraiment cet environnement chaleureux, énormément de bonheur, d'amour, beaucoup de mouvements, de discussions, il y a du renouveau également. J'ai quand même une salamandre ici dans les nuages. La salamandre, elle est c'est un symbole de renouvellement. Quand on lui coupe la queue, la queue repousse, et puis la salamandre, c'est aussi me souvenir qu'on dit de la salamandre qu'elle est, y a une question de longévité, qu'elle est, comment dire, à l'épreuve du feu, qu'elle est capable de traverser, il y a cette notion d'être capable de traverser des épreuves, comme si là il y avait une espèce de tourbillon, et il y a beaucoup de bonheur à la fin du mois. Et ça bouge beaucoup, et vous n'êtes absolument pas cette force que j'ai avec le pape, avec le dieu cornu, avec le diable. S'il y a eu effectivement un peu des difficultés à s'entendre, c'est complètement dépassé. Si vous avez été dans une forme aussi d'indécision, de pas trop savoir comment on s'y prend. J'ai vraiment ce leadership là, cette maturité, ce pouvoir qui amène quelque chose d'extrêmement serein et épanouissant en vous et avec votre environnement. Avec beaucoup de partage, avec beaucoup de mouvements, avec des discussions et quelque chose de très dynamique et de très heureux. Donc, que voulez-vous de mieux, les cancers? C'est magnifique pour finir le mois. Alors, en conseil, on vous dit pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Je vous disais qu'il y avait le pape, l'étoile, l'as de coupe, qu'il y avait quand même une spiritualité ici qui était assez forte. Et qu'il s'agissait peut-être de pas rester uniquement dans le masque de la matérialité. Pratique la dévotion, rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà le conseil qui vous est donné.
Et voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.